pense qu'il me permet de savoir jusqu'où je suis arrivé au niveau de mes efforts et de savoir que mes efforts ont été payés en quelque sorte. Parce qu'il n'y a pas que le côté financier qui compte, mais de savoir et connaître les efforts qu'on mène chaque jour, qu'il arrive, quelles que soient les intempéries, tout ça. Et c'est, ça me fortifie davantage et me dit qu'il faut faire de plus. Très heureuse ce soir de recevoir ce trophée. Pour moi, c'est une reconnaissance pour tous les efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, la coopérative COFESA, COPCA, par moi, est récompensée pour les efforts d'organisation de société coopérative. Et nous remercions véritablement l'initiatrice de ce projet, l'organisatrice. Merci beaucoup pour ce prix. Nous sommes vraiment, vraiment honorés d'avoir eu ce prix. J'ai fait l'agriculture depuis la classe de CE2. Et aujourd'hui, je continue. Je dis merci au Seigneur. Nous venons de finir la soirée des awards. Vous avez vu les prix que nos braves paysannes et nos braves paysans ont reçus. Grand merci à la population d'Abouasso, au DR d'Abouasso, au DR de l'ANADER, au DR de l'agriculture, toutes ces personnes qui ont travaillé afin que ces journées puissent se dérouler dans la paix, dans la joie, dans la quiété. Et bravo à toutes les coopératives qui ont reçu un prix, celles qui sont venues de partout de la Côte d'Ivoire pour prendre leur trophée et pour prendre part au défilé. Vraiment, nous leur disons merci et rendez-vous pour les JNBA 2021 par la grâce de Dieu.